D'accord. Créer une aura avec l'application Aurasma, prise en main pour les appareils sous Android. On désire créer une aura, c'est-à-dire que l'image d'un livre déclenche l'apparition d'une vidéo explicative. L'image est donc l'élément déclencheur, la vidéo, la superposition ou incrustation. C'est ce qu'on appelle aussi l'overlay. Pour la création, on commencera par sélectionner l'overlay, puis définir le déclencheur. On lance Aurasma. On passe le tutoriel proposé. Avec cette version, la création d'un compte n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire si on désire partager ses productions. Ici, le compte a déjà été créé. On se connecte tout simplement en tapant cet identifiant. Au lancement de l'application, on est en mode lecture. Pour accéder au menu, on tape sur le logo Aurasma en bas de l'écran. On tape sur le plus pour créer une nouvelle aura. L'application propose une liste d'animations pouvant servir d'overlay. Notre vidéo, elle, est dans la galerie de l'appareil. On tape sur Device. La liste des overlays est ici vide, puisque c'est une première utilisation. On tape sur le plus en haut de l'écran. On choisit Library pour accéder à la galerie, mais on pourrait tout autant utiliser la caméra de l'appareil. C'est une vidéo, on sélectionne donc Vidéo. Puis on va choisir dans la galerie le fichier correspondant. On peut donner un nom à la superposition pour la retrouver plus facilement. La vidéo est transférée sur le serveur Aurasma et associée à votre compte. Le transfert peut être plus ou moins long. Une fois terminé, l'application vous demande si l'on veut utiliser l'overlay pour l'aura. On répond Yes. L'image de la caméra s'affiche afin de définir l'élément déclencheur, c'est-à-dire de choisir l'image qui déclenchera l'aura. On peut délimiter plus précisément la zone qui doit être reconnue, ce n'est pas nécessairement toute l'image. Il faut faire bien attention à ce que le curseur en bas soit dans le vert pour assurer la reconnaissance. Avec cette version, on peut géolocaliser la reconnaissance. Pour valider, on tape sur le bouton violet. L'overlay s'affiche alors sur l'élément déclencheur. Il peut être déplacé, tourné, redimensionné. Quand sa position et son affichage conviennent, on valide en tapant sur le bouton violet. On donne un nom à l'aura. Une aura peut être privée au public, c'est-à-dire qu'elle sera alors visible de tous et pourra être retrouvée dans le moteur de recherche. On peut également l'associer à une chaîne pouvant correspondre à une classe, à un livre, à une activité précise. Pour créer une chaîne, on clique sur le plus. On donne un nom à la chaîne, on peut lui ajouter un visuel et indiquer si elle est publique ou privée. On tape sur Finish pour valider la création de la chaîne. Il faut sélectionner la chaîne pour l'associer à l'aura. Une fois terminé, on tape sur Finish. L'aura est disponible sur l'appareil et on peut la tester immédiatement. La reconnaissance de l'élément déclencheur lance la vidéo. Un double tap sur la vidéo l'affiche en plein écran. En double tapant à nouveau, on la fait disparaître. Elle repartira dès que l'élément déclencheur sera reconnu.